J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour un haul. Alors un haul un peu spécial, un peu en vrac. En vrac, mais très bien. Hein. Juste parce que j'ai fait plusieurs magasins. J'ai acheté pas grand chose à chaque fois. Donc du coup, ben, j'ai attendu et j'ai regroupé tout dans une même vidéo. Parce que vous montrez deux articles à chaque fois. C'est inutile et un peu ridicule. Donc voilà, ben on va attaquer par action. Hein. Comme ça, ça sera fait. J'ai vraiment pas trouvé grand chose. Je cherche désespérément les feutres aquarellables là. Mais bon, ben chez moi, pour l'instant, ils n'y sont pas. Ils arriveront un jour ou l'autre, je pense. Enfin, j'espère. Hein. Puis s'ils n'arrivent pas, ben ils n'arrivent pas, tant pis. Mais bon, ça me ferait plaisir quand même de les trouver. Voilà, ceci dit, j'ai trouvé donc des petites épingles. Hop, excusez-moi, j'ai changé de trépied. Vous allez le voir après. Et du coup, c'est à l'inverse de l'autre. Donc du coup, il va falloir que je m'y fasse. Donc ça, je crois que c'était 99 centimes. Voilà, c'est des petites... C'est des petites épingles. Il y en avait des blanches comme j'ai prises et des couleur bois. Voilà, alors couleur bois j'avais déjà, mais du coup ben, le blanc je me suis dit ce sera sympa. Des fois pour mettre dans des lodides ou quoi, ça peut être sympathique. Donc j'ai pris ça et il y avait aussi les bobines. Donc bon ben, celles-là aussi elles sont... Elles sont peut-être pas nouvelles, mais disons que jusqu'à maintenant, chez moi, elles n'y étaient pas. Voilà, donc c'est ça. Hop, il y en a apparemment deux modèles dedans. Oh, mais alors, entre le trépied que j'ai changé de place et les mains qui ne veulent pas fonctionner correctement. Voilà, donc là, hop, ça ne peut pas faire le focus. Tu veux pas? Tu n'as pas envie? Non? Ça m'arrangerait pourtant. Voilà, ben c'est ce qu'on aura de mieux. Donc une petite, hop, et une grosse. Voilà. Donc on est là. Bon, pareil, le même prix. Pareil, il y avait la couleur bois. Donc, mais bon, la couleur bois, j'en ai déjà. Donc du coup, ben, j'ai pris les deux blanches. Ensuite, j'ai trouvé, ça c'est pareil, il y avait tous les modèles. Mais celui qui me plaisait le plus, c'était vraiment celui-ci. Hop là, ah. Donc ça on en a déjà eu, des modèles, mais cela était vraiment sympa. Je trouvais que pour l'été la couleur, je vais essayer de pas vous le faire briller, c'est quand même pas gagné parce que c'est brillant. Voilà, les couleurs pastel comme ça en ce moment, j'adore ça. Voilà, ensuite il y en a deux feuilles à chaque fois, hein. Voilà, hop là, il y a celle-ci, voilà, et décidément, bon apparemment, je sais pas si je vais scraper aujourd'hui, parce que vu les mains que j'ai, franchement, voilà, ça c'est des petits chiffres, là il y a ceci, il y a cela, décidément, voilà. Et cela. C'est désespérant. Et cela, voilà, on arrive au bout et heureusement. Hop. Et c'est celui-là, donc c'est le violet. Je ne sais pas si vous voyez violet ou si vous voyez bleu, mais le rond là est violet parce qu'il y en avait d'autres couleurs et c'est le violet que j'ai pris, donc... Donc voilà, à vous le présenter autant qu'à faire, autant que vous sachiez lequel c'est. Ensuite, Ziman, c'est... Non, il reste encore quelque chose à action. C'est ce que je vous disais, donc le trépied, j'ai acheté celui-ci. Donc là, voilà, dessous il y a le rond, ben, je ne peux pas vous le montrer évidemment, puisque je m'en sers, puisque l'autre je l'avais cassé, et je cherchais désespérément un trépied qui ferait bien. Sauf que j'en trouvais pas. Donc le rond là se colle
dessous. Je ne sais pas si vous voyez le rond là. Hop, le support se colle. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos, si on le mouille un petit peu avant, près par la suite, quand il colle un peu moins, hop, c'est reparti. Et ça recolle. De toute façon, là, sur le dessus, là, vous avez une ventouse, un petit clips. Et vous le clipsez et ça se... Touc, colle au support. À la table ou au support, voilà. Vous pouvez le mettre de plusieurs façons. Voilà, et ben voilà, ça coûtait moins de 2 euros, donc bon, je me suis dit j'essaye et puis on verra, on met le téléphone directement comme ceci, le téléphone se clipse à l'intérieur, donc exactement comme l'autre que j'avais, sauf que l'autre c'était un support trépied, et que j'ai un pied qui s'est fait la malle, donc ben du coup, voilà, donc j'ai acheté ça, moins de 2 euros, je sais plus exactement combien c'était, mais c'était moins de 2 euros. Donc voilà, mais ça fait un moment qu'ils sont sortis aussi ceux-là, mais bon, j'ai gardé la boîte juste pour vous la montrer. Ensuite, donc je vous disais, je suis allée à Zeeman, Zeeman, je ne sais pas comment les gens prononcent, moi je prononce Zeeman, parce que deux E en anglais, il me semble que ça fait I, mais après je ne suis pas une pro de l'anglais. Donc du coup voilà, donc ça c'est pratique parce qu'il y a les prix encore dessus, donc 3,99€, j'ai acheté alors de base c'est, allez les mains, toujours pareil, je sais même pas si je vais arriver à finir la vidéo sans casser quelque chose, donc c'est des dessous de verre. On est d'accord, voilà, des dessous de verre en simili-cuir, ça se présente comme ça, voilà, d'un côté, de l'autre, et moi j'ai dans l'idée d'en faire un album photo, un mini quoi, alors vraiment mini parce que vous voyez la taille de ma main et la taille du machin, mais bon, j'ai une idée en tête, je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne, si vous le voyez c'est que ça a fonctionné, et si vous ne voyez pas de vidéo dans les semaines ou les mois qui arrivent, c'est que ça n'a pas marché ce que je voulais faire, mais bon on peut toujours s'en servir comme support pour les verres, donc vu l'été qui arrive, de toute façon on s'en servira quand même. Voilà, ensuite j'ai acheté pour 99 centimes 50 feuilles, bon ça je pense que vous les connaissez, c'est des feuilles qui sont fines mais pour mon fils c'est parfait, donc il y a plusieurs couleurs, voilà vous avez bleu, jaune, orange, vert, rose et rouge, hop là, et alors excusez-moi pour le bruit. Le grammage, je ne l'ai pas, mais voilà, c'est ouais, de la feuille d'imprimante. C'est juste histoire qu'il fasse ses dessins, qu'il fasse ses découpes, que voilà. Parce qu'il m'embarque mes feuilles et ben voilà quoi. Il arrive un moment où les feuilles, ça coûte quand même cher. Donc du coup, je vais acheter un paquet pour lui et il fera ce qu'il veut avec ça. Donc voilà, alors là je vais vous exploser les oreilles. Et ensuite je suis allée, il y a deux petits trucs, c'est à, mon dieu, c'est à Auchan ou à Carrefour. Alors vous commencez à me connaître donc c'est bien parce que d'un côté vous n'allez pas me dire tu t'es trompée puisque je me trompe à chaque fois à Auchan ou Carrefour. Donc j'ai acheté ces paillettes, hop voilà. À 2,50€, j'ai adoré les couleurs pastel parce que j'en ai des paillettes hein, mais pas couleur pastel, et la dernière fois que j'y étais allée, je les avais vues mais je me suis dit ouais, tiens, 50 millions de paillettes et tout, et puis bon ben c'est vrai qu'en y repassant devant je me suis dit 2,50€ tant pis, on voilà, ça fait quand même pas grand chose non plus, et ben voilà, c'est pastel. Et j'en ai pas, donc je m'en servirai sûrement. Ensuite, il y avait ceci. C'est dans les bacs en carton, là, vous savez. Il y a marqué sticker acrylique Socrea. Ça coûte 2 euros. Et voilà, hop, je vais essayer comme ça. Peut-être que ça a moins de reflets. C'est des petites perles. Enfin, ouais, c'est des demi-perles. Coller les unes entre elles, hop, les unes avec les autres, et on peut très bien les prendre individuellement. Il y a de la colle derrière, et ça j'en ai en modèle un peu plus grand.
Et là, je les ai trouvés en mini, donc les mini, j'en avais pas, et franchement, je m'en sers beaucoup, donc du coup, voilà, 2 €. Donc ça, c'était pour Auchan ou Carrefour, je sais plus les magasins. Comme là, en plus, alors d'habitude, je me trompe, mais en plus, là, j'en ai fait plusieurs. Ben, donc du coup, c'est encore plus compliqué pour moi. Et ensuite, le dernier magasin où je suis allée, c'est... alors, comment il s'appelle celui-là? Ah, le nom m'échappe. Le nom m'échappe. J'avais dit que je le noterais justement pour éviter ce genre de problème. Et ben, j'ai oublié, évidemment. Ah, bon, si je m'en rappelle, je vous mettrai le nom là. Voilà, parce que là, ben, ça ne me revient pas. Donc, c'est pas grave, on va attaquer. C'est un magasin de loisirs créatifs qu'il y a vers chez moi. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais voilà. Dalb. Très bien. C'est Dalb. Je suis allée à Dalb et j'ai acheté. Ah, je suis contente d'avoir retrouvé le mot. Donc, je suis allée là-bas et j'ai acheté des pinceaux à réservoir d'eau. Parce que j'avais pris ceux de Action, mais c'est une catastrophe. J'en ai acheté 2 paquets de 2 et à chaque fois, c'est vraiment mais désespérant. Il y a des trucs qui sont bien à Action, mais ça, franchement, je ne le recommanderais pas. Donc là, il y a la taille M. Voilà, c'est marqué là. La taille F. Et la taille L. Alors, j'ai payé un peu plus cher, c'est sûr. J'ai payé 6 €, je crois. Dans ces eaux-là, mais bon, voilà quoi. La qualité de la mine, du pinceau, la qualité du truc, c'est pas du tout la même. J'ai pas encore essayé s'il fuit, mais rien qu'en main, déjà, je peux vous dire que déjà la qualité est différente. C'est la marque Artiste, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, hop là. Et donc, j'essayerai ça parce que les autres, vraiment, laisse tomber quoi. Ça m'a gonflé. Donc du coup, j'ai acheté ça. Ensuite, il y avait les promotions, comme toujours, il y a... Là, ils les ont mis au fond du magasin. Elles étaient au début et ils les ont passées au fond. Donc, je les ai cherchées un petit moment, mais je les ai trouvées. Donc, j'ai acheté des promarqueurs à 1 €. Voilà. Donc, j'ai pris la couleur jaune. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Jaune clair. Voilà. Là, hop. J'aime bien ces feutres-là. La mine large et la mine épaisse. Donc ça, c'est bien pratique. Comme sur tous les pro marqueurs. Hein. Hop, et du bleu. Voilà, toujours 1 euro. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est 1 euro. Voilà, et là c'est le bleu. Il n'y avait que ces deux couleurs-là. J'en aurais bien pris quelques-uns de plus. Pardon, je vous ai fait bouger le trépied. Voilà. Et après, ben, pour 2 euros, je crois que c'était 2,50 €. 2,95 €, vous voyez? J'y étais presque. 2,95 €. J'ai acheté des petits sacs comme ça. Hop là. Voilà, il y en avait plusieurs modèles. La prochaine fois, j'en ai repéré un autre. J'en prendrai un autre. Parce que là, je ne pouvais pas trop prendre parce que, évidemment, ben, ça monte vite. Je voudrais vous les ouvrir pour vous montrer quand même. Il y en a... Combien il y en a dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 petits sacs. Donc ça, pour des envois, je trouve ça super joli. Voilà. Comme ça se ferme comme ceci. Et j'ai pensé aussi que sur un album, à l'intérieur de la page de couverture ou quoi que ce soit, ça peut être sympa pour mettre des choses. Parce que c'est costaud quand même. Hein. C'est pas. J'arrête pas de vous faire bouger. Il va falloir que je stabilise cette table. C'est quand même costaud, oui, je disais. C'est du papier cartonné, quoi. C'est quand même. On sent que c'est pas de la cochonnerie. Hein. Voilà. Donc, il y a les petits oiseaux, les petits papillons, love, la musique, tout ce que j'aime. Donc, voilà. 6 petits sachets pour 2,95 €. Voilà. C'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais après, ça change un peu aussi les choses qu'on voit un peu partout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça peut faire plaisir à quelqu'un.
Et donc voilà. Ben voilà, ben écoutez, apparemment c'est tout. Je suis en train en même temps de regarder aux alentours, voir si je trouve pas quelque chose. Mais non, c'est bon, j'ai tout fait, tout est fini, tout est bon. Donc on est bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un petit peu en vrac, mais comme ça vous avez vu un petit peu des choses d'un petit peu partout. Si c'est le cas, ben laissez-moi mon petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vois qu'on frôle les 500 petit à petit. Donc, quand ça sera le cas, qu'on aura dépassé un petit peu, eh ben, je vous ferai la vidéo pour le concours des 500. Donc voilà, je vous remercie encore mille fois d'être là. Et ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!